Nets nor in Agnasa, nor of me lata, poor me hirsha, toss on me longer on time, a gun toss up on me kacha. Kyle cha, kneel to fur fire, a pig's maintain rather than chin. Day not on me dock, a post on with the three up me and which fur by me storing, a captain taunt all in. Day not on me dock, a post on with the three up to. Nish on hail needs partners, I'll do them all hail. Toss on me longer, I tap my guy, toss up on my Kyle cha. Kneel to fur, fire, aim, quick, to maintain, not their mention. Day knock on my dock, I post on with the three of me, and which fur, fire, my story, I got in taunt all in. Day knock on my dock, I post on with the three of two. Hello, donc on est mercredi, je vous prends que maintenant, il est 23h30. Mais comme vous avez pu voir précédemment, nous sommes allés donc retourner au parc. Ça faisait trop longtemps qu'on n'y a pas été, on s'est super bien posé avec Skull, Lexi et Lady. Puisque Kitty est un peu malade et Amoré a fait des bêtises, donc il était puni. Et comme je peux pas sortir tout le monde en même temps. Et donc les filles se sont bien amusées, Skull aussi, il a pas mal pioncé. Hier, il devait passer aux os charnus, finalement on s'est rendu compte qu'il a perdu beaucoup trop de dents de lait, donc il ne peut pas les manger. Donc sur conseil de Megan, on va lui donner du coup de volaille. Donc en attendant, bah en fait on enlève l'os et on récupère la viande qui est autour, jusqu'à ce qu'on récupère les coups de poulet qu'on récupère la semaine prochaine avec la commande de Barf. Et j'ai reçu enfin ma commande Zooplus, donc je vous la montre juste après. Et oui voilà, donc c'est tout ce qui se passe pour aujourd'hui, donc pour blablater un petit peu au lieu de vous mettre que des petites images. Donc oui, ça c'est une miss voleuse de barf qui veut manger du barf parce qu'elle vole le barf des autres. Lexi fait la même. Mais enfin bref, aujourd'hui donc chérie a réceptionné ma commande de Zooplus. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai reçu deux box. Donc la box spéciale puppy, donc pour les chiots, et la box spéciale des 20 ans de Zooplus. Donc voilà, donc ça je vais montrer dans les soldes en plus détaillé la vidéo des soldes, et j'ouvrirai, de toute façon je pense que les vidéos seront déjà sorties avant celle-là je pense, et j'ouvrirai aussi les box dans une vidéo. Donc je me suis concertée avec Pauline et je vais ouvrir les deux dans la même vidéo, ça changera, parce que sachant que j'ai pas beaucoup de place au niveau du planning, voilà, et que j'attends encore la réception d'une autre box. Et pour une fois je me suis enfin lancée, je leur ai pris des tapates de poulet, c'est dégueu. Et puis j'ai commandé un jouet spécial édition des 20 ans de Zooplus, apparemment, qui ressemble à un jouet Bilbo Key, distributeur de friandises, en style Mickey, qui était trop choupi. Alors par contre, vous voyez la taille de ma main, vous voyez la taille du jouet, je m'attendais à ce qu'il soit 10 fois plus gros. Mais ce n'est pas un problème, mais je vous expliquerai, j'en vous en dirai plus dans la vidéo spéciale solde. Mais voilà, ma petite réception, donc super chérie a récupéré cette petite commande et la fait ma livraison de Vinted. D'ailleurs j'ai mis plein de Vinted en ligne. Et donc là je regarde encore mes vidéos de ici là, ici, donc des vieilles vidéos du mois de mars où elle fêtait son anniversaire. Et puis bah je vais profiter pour commencer à monter le vlog pour être tranquille et pas avoir tout faire d'un coup. Même si là vu que j'ai un mois de décalage quasiment, bah je suis tranquille. C'est un peu moins le bordel ici, c'est un peu moins le bordel là. Comment ça, clean up. Enfin bref, à demain.
Hello, on est vendredi, il est 23h30, je suis complètement claquée. Donc cet après-midi, j'ai fait des heures sup. Mon chéri m'a récupéré la pupu box que j'ai trop hâte de tourner. Je voulais tourner en rentrant, mais quand je rentre, le soleil se couche. Ah, j'ai une belle lune après-midi en photo après. Le soleil se couche et en fait, la luminosité est complètement pourrie. Je suis claquée, j'ai trop chaud. Il faisait une chaleur d'enfer. Heureusement, la couverture de survie a encore fonctionné cette fois-ci. Ça a été encore mieux que d'habitude. Parce que là, en fait, il faisait pas super chaud dehors. C'est le soleil qui cognait. Donc, bah, en fait, ça fait la fonction que je voulais. Donc, ce soir, donc, on n'a pas pu sortir au parc à 18h comme on l'aurait fait normalement parce qu'il faisait beaucoup trop chaud et le parc est en plein soleil. Donc, je suis rentrée, j'ai regardé deux épisodes de Stranger Things dont je suis fan. Pas pour rien que j'ai ce tatouage là en même temps. Et puis après le chéri était quand même motivé à aller au parc, donc nous sommes allés au parc. Pas trop chaud d'y aller à cette heure là parce que bah, à cette heure là je sais pas trop le genre de fréquentation qu'il y a. Oui voilà, je sais pas trop le genre de fréquentation qu'il peut y avoir et le genre de chien, comment ils sont gérés ou quoi. Donc on arrive, il y a un plutôt gros staff qui en est sorti, bleu super beau, dont Benji je crois qu'il s'appelait, que j'ai laissé tranquille en tête à tête avec Skull parce qu'avec Amory ça aurait été trop tendu parce que j'ai pris Amory et Kitty. Puisque l'autre jour c'était déjà Lexi et Lady. J'ai pas pris l'appareil photo parce qu'on aurait rien vu. Et donc voilà, le staff était super cool. Après on a joué pendant un moment. Il y avait des gens un peu louches, mais bon, ils nous ont laissé tranquilles, donc ça va, ils sont partis quand on est arrivé. Je sens qu'ils fassent leur truc, je m'en fous, mais laissez-moi tranquille. Et puis après, on est reparti au bout d'une bonne demi-heure, une heure, je dirais, parce qu'il y a d'autres gens qui arrivent avec d'autres chiens, donc pour éviter des tensions, on est parti parce que c'était des jeunes avec des chiens qui voulaient lâcher un peu en liberté eux aussi, donc bah, on fait un roulement, chacun, bah, dès qu'il y a des nouveaux qui arrivent, et bah, on laisse la place et puis c'est tout. Donc voilà, et puis là, bah, je vais m'occuper à faire du montage, jouer, à regarder des quelques vidéos, mais je suis quand même bien claquée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les loulous ont pas mal joué et que ça a creusé l'appétit parce que Amory a réclamé sa gamelle de dingue quand on est rentré et autant lui que Kitty ont fini complètement leur gamelle de barf en moins de deux. Donc voilà, j'ai hâte à demain pour filmer mes ouvertures de box et toutes les vidéos que j'ai à faire parce que j'ai pas mal de boulot là-dessus. Voilà, je voulais faire un petit blabla en plus de la petite vidéo de la sortie au parc dans le noir parce qu'on voyait pas grand-chose, donc je voulais vous expliquer un petit peu la chose. Donc voilà, je vous dis donc à demain. Bonne nuit. Donc on est samedi, il est presque 15h, donc je vais tranquillement me maquiller. Maquillage est ici, j'ai 3-4 vidéos à tourner aujourd'hui. Et puis après j'ai un peu de ménage à faire et compagnie, donc je vous montrerai tout ça. Parce que c'est un peu le bordel comme d'habitude. Alors vous voyez, j'ai plus de place pour ranger, donc là ça s'accumule toujours plus. Là j'ai les 3 box qui prennent trop de place. Et puis les loups s'amusent à m'en mettre partout, il faut que j'enlève le ventilo pour finir. Mais je me rends compte qu'il y a un problème, ils refont couler la piscine et il y a encore les gamins, donc au niveau son, ça va être le bordel. On va tourner avec la fenêtre fermée, j'ai pas le choix. Bah Kitty, t'as retrouvé ton Hello Kitty? C'est son Kitty quand t'as été petite. Hein? T'as ton Kiki? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bon allez, je vais me maquiller déjà. Toujours plus de bruit. Toujours plus de squattage là-dessous. Ça va quoi être sympa. Bon, on finit les loups. Vous êtes prêts? Je vais juste fermer la fenêtre pour être tranquille. Ah mais si je ferme la fenêtre, il va faire noir. Oh, fait chier. Bon bah, je sens que ça va être comique. Il y a du montage. Donc voilà, je viens de finir de tourner mes vidéos, donc j'ai tourné au moins 4 séquences de vidéos différentes, donc 2 vidéos complètes et 2 séquences complémentaires pour une future grosse vidéo. Et donc là finalement il y a eu un peu moins de bruit que ce que je craignais, ça s'est un peu calmé, heureusement, parce que je crois que j'allais péter un câble au départ, c'était infinable. Entre les barrières qui claquent, entre les gamins qui se mettent à hurler, entre les clapots dans la flotte, je n'ai pas de patience pour ça. Quand j'ai ma petite heure tranquille, j'ai besoin de ma petite heure tranquille. Et donc là, bah, non, je peux pas vous montrer, il y a trop de trucs écrits sur les cartons, c'est chiant.
Enfin bref, je vais aller descendre tout ça et puis aller faire mes photos pour le blog et compagnie. Allez. Je suis trop longue à faire mes photos. Et voilà, les voisins sont enfin partis. J'ai ressorti Monsieur Momo parce que je vais l'enfermer quand je fais les photos parce qu'on a fait des conneries. Il fait trop chaud pour sortir. Ah, je suis ma coiffure qui s'en va. Ah, Maury. Donc j'ai fait le tri de tout ce que je garde. Dans les boxes que j'ai eues. J'ai réussi à l'ouvrir. Donc je garde tout ça sur 3 boxes. Le reste, il y en a qui a été pour school. Et d'autres qui sont partis pour aller donner à la SPA. Oui, mais là, il fait trop chaud pour vous bouffer. Je vous donnerai un truc ce soir à vous occuper. On va peut-être une pâte de poulet. Donc là je vais ranger et me poser un peu sur le PC parce que j'ai trop chaud, j'ai trop en plein soleil pour faire les vidéos, enfin pour faire les photos. Tiens moi ce beau ciel bleu. En tout cas ça je ne l'enlève pas de tout l'été. Et voilà comment le tiroir est déjà bien rempli. Donc ça c'est ce qui est déjà entamé. Déjà entamé, toutes les pâtées ici avec celle-là. Celle-là les plus anciennes dans les autres box, le plus naturel ici. Les croquettes là. Voilà. Vous étiez posé là-dessus. Et puis ça, bah ça, faut que je le garde pour une vidéo. Naturea, je sais pas encore, ça dépendra de vos commentaires. Et puis bah, on va leur donner doudou aussi. Et comme d'hab, Maury a déjà caché le truc dans sa cage. Hello, donc on est dimanche, j'avais pas du tout prévu de vous prendre à la base, mais j'étais tranquillement en train de changer les cochons d'homme. Donc là j'étais en train de les changer. Là, tout ça, je suis en train de gratter tout ce qu'il y a au fond. Heureusement ça s'enlève bien avec ça. Ça s'accroche pas, c'est très bien. Donc là ils sont tranquilles ici. Donc je viens d'enlever la litière d'angle qui est juste là-bas. Et ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. Oui c'est un champignon. Un champignon a poussé dans la litière des cochons d'homme. Voilà, il a fait tellement chaud, le peu d'humidité qu'il y a eu, et vu que c'était en dessous, là, à l'ombre, et ben j'ai un putain de champignon qui a poussé. Heureusement qu'ils l'ont pas bouffé. Génial. Oui, parce que j'y suis, ben, les cochons sont tout propres, donc j'ai pas assez de litière pour remettre en bas, c'est pas grave. Toutes les gamelles là-bas, elles sont propres, on passera des petits coups de balai le soir pour enlever les petits caca. J'ai lavé cette gamelle là à fond parce qu'il la dégueulasse toutes les 5 minutes. Celle-ci aussi est toute propre. Là, j'ai remis du fond là-dedans. J'ai rempli tout ici parce que j'ai pas assez de litière pour monter à l'intérieur. Et donc la litière là-bas où il y avait le champignon, elle est retournée là-bas. Ici, c'est rempli de fond aussi. Mais c'est tout propre jusqu'à la prochaine fois. Voilà les petits mecs. Quoi, vous voulez encore de la banane? C'est parce que c'est le week-end. Hein. Dimanche, c'est banane. Tiens. Oui, t'en avais encore un morceau, c'est ça? Qui veut pas? Darwin. Je crois que je sais que t'as déjà fini. Darwin. Mais il est où? Darwin. Ah, mais je m'utilise aussi. Voilà. Donc maintenant les tomates séchées que j'achète au rayon bio à Carrefour en distribution en sachet. Voilà, ça ne m'a pas coûté grand chose. 1,07€ les... Il y a combien de grands dedans?
146 grammes, je crois. Ouh, je vous ai pas montré. Focus. Non, on peut focus. Ah si, voilà, 146 grammes. Et je crois qu'il faudrait que je compare les prix, mais je crois que c'est moins cher que pour spécial cochon Inde. Je pense que c'est exactement la même chose de toute façon. Voilà. Et puis là, bah, je viens de terminer le montage de l'ouverture de Zoo Plus. Voilà, et donc bah là, comme j'ai fini un truc, bah, je continue à regarder les vlogs des youtubeuses que j'adore. Et je vais faire un autre montage qui sera... Hop. Et ça c'est devenu mon incontournable pour m'organiser. Puisqu'avec vu que j'ai découvert que j'avais un petit souci du trouble de l'attention, bah si je ne me fais pas des listes pour tout et pour rien, pour des trucs même basiques, les plus basiques possibles, il me faut des listes, sinon j'oublie. Donc là bon, on va monter la pupu box. On va monter la pupu box. Et sachant que ici niveau vidéo, il y en a pour l'instant de planifié jusqu'au 4 septembre. Sachant que là, aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet. Voilà mon tableau d'organisation.